Hello, hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Décor Live by Nana. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, juste là en bas de l'écran. Mais surtout, activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour les anciens, bienvenue encore une fois de plus. Merci d'être là, vous êtes vraiment génial. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, quel titre je vais donner à cette vidéo. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir comment je vais faire, comment je vais dresser ma table pour les fêtes de fin d'année, ma table de salle à manger. Et j'hésitais entre la couleur dorée et la couleur argentée. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas partager ça avec vous, étant donné que j'ai déjà une autre vidéo de ma table de salle à manger avec la couleur argentée. Je me suis dit, bon, ok, comme cette année, je vais faire ma table en doré. Je me suis dit, ok, je vais partager avec vous déjà cette base, parce que c'est vraiment la base de ce que j'aimerais faire pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, Nana, on attend avec impatience de voir la décoration de Noël. Et je me suis dit, c'est mieux de vous présenter ce que je souhaite faire maintenant, en tout cas vous donner la base, comme ça au moins ça peut déjà donner des idées à certaines personnes qui voudront bien avoir une idée de ce qu'elles aimeront pour les fêtes de fin d'année. Je sais pas si je me fais comprendre. Bon, bref, donc j'espère que vous avez compris. Et lorsque j'aurai acheté tout ce qu'il faut, toute ma décoration pour Noël, et là je reviendrai en fait pour vous faire vraiment la table comme je le pense dans ma tête. Et comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, j'ai été dans les magasins, déjà repéré 2-3 trucs. J'ai pas encore acheté grande chose, et sinon j'attends vraiment que tous les rayons de tous les magasins sont inondés des articles de décoration de Noël. Et là, je pourrais vraiment, réellement aller faire mes achats. Et ensuite, je vous montrerai en détail pour vous montrer en fait ce que j'ai acheté pour ma décoration de Noël. Mais pour tout vous dire, je suis vraiment très hésitante pour cette décoration de Noël, parce que je suis pas très fan des sapins de Noël. Franchement, je vous dis la vérité, je suis pas très fan des sapins de Noël. Et qui dit décoration de Noël dit sapin. Alors, je vois pas comment je peux vous faire une vidéo de décoration de Noël sans le sapin. Mais bon, j'ai réfléchi encore, on ne sait jamais. Peut-être que ça serait pour moi la première fois de décorer un sapin de Noël, parce que je ne vous cache pas que ce n'est pas quelque chose qui me passionne, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Donc du coup, je suis vraiment en train de réfléchir. Donc voilà, j'arrête de blablater, hein. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour blablater. Je pense qu'il est temps qu'on aille travailler, hein, qu'on aille faire cette décoration ensemble. Donc j'arrête de blablater, let's go!
Voilà, voilà les amis, voilà les résultats finaux. J'espère vraiment que ça va vous plaire et ça va vous donner quelques idées pour vos décorations de Noël. Comme je vous avais dit, c'est vraiment la base et ensuite, ben, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et moi, tout ce que j'ai acheté pour l'instant, c'est ces petits porte-bougies que vous voyez ici. Et donc, j'en ai deux. Et le cerf aussi, en fait, j'ai pris deux cerfs et deux petits porte-bougies que vous voyez ici. C'est tout ce que j'ai acheté pour l'instant. Et ensuite, je verrai comment je vais compléter tout ça. Et un petit détail aussi ici, au lieu de tenir les serviettes avec les boules de cristal comme j'ai fait dans d'autres assiettes, bah, ici, j'ai mis un bouquet de fleurs. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Donc ça rappelle le bouquet qui est au milieu. Donc voilà. Voilà, voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, hein, à me lâcher des pouces en l'air là, les pouces bleus, pour m'encourager. Et sinon, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Sinon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye.